dire les 10 rumeurs qui tournent sur toi sur internet. D'accord. On le fait avec tous nos invités. On l'a fait avec les One Direction, avec les mecs des One Day. On l'a fait avec Orelsan hier. C'est que des rumeurs rigolotes. Hein. D'accord. Et tu nous dis si c'est vrai ou faux. Ok. Par exemple, tu aurais fait un job d'été. Alors, c'est les forums de fans. On va vraiment chercher loin. Okay. Tu aurais fait un job d'été chez Disney en tant que mini. Quoi? Non, pas du tout. Ça existe vraiment, ces rumeurs? Bien sûr. Bah oui. Ah oui, bah non, mais dans Mini, il y a une meuf ou un mec. Attends, ouais. Mini, elle est censée être petite. Je fais 1m77. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plus jeune, je sais pas. Je sais pas. Non, même pas, non. Alors, tu ne supporterais plus qu'on t'appelle Andy Raconte? Non, c'est pas que je supporte plus, c'est que j'ai enlevé le raconte depuis un petit moment parce qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était mon nom de famille. Au bout d'un moment, non. Ouais, j'ai enlevé ça. Tu aurais été en couple avec Philippe Lachaud pendant des années. Ah. Pas du tout. C'est marrant, non mais c'est rigolo de pouvoir dire vrai ou faux. Mais j'ai jamais entendu ça non plus. Nous aussi. Non, on va te filer les liens après. Tu verras. Non, mais c'est vrai en plus. Bah non, écoute. Tu aurais dû faire Danse avec les stars à la place d'Enjoy Phoenix. Oui, l'année où elle l'a fait, on me l'avait proposé avant. Et tu l'as pas fait? Non, parce que niveau contrat, c'était pas. Ah, c'est vrai? On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Voilà, du coup, ils me l'ont reproposé l'année d'après et encore cette année et j'ai refusé. T'aimes pas danser en fait? Et genre, ouais, franchement, j'aime bien danser. Bah ouais, j'avais passé le casting, rigolo. C'était cool. Et Ah, t'avais fait le casting et j'avais passé le casting. Et ils t'ont pris. Moi, j'aurais peur d'être une grosse merde parce que. Ah, genre, ils avaient pris Djibril Cissé une année et il avait fait une émission quoi. Ouais, c'est vrai, mais bon. Non, mais moi, franchement, tu mets, laisse tomber quoi. J'ai vu Vincent Cerruti. Sur une salsa. Attends, sur une meringue. Franchement, tu sais pas, parce que quand t'es avec le danseur ou la danseuse, c'est quasiment lui ou elle qui fait tout le boulot. Ouais, mais moi j'aurais peur de la blesser, genre. Oh, ah oui, mais toi, oui. J'ai essayé déjà, elle est capable de casser le cou de la danseuse. Et tout. Non, mais tu la portes et tout, imagine. Et c'est, alors, ah ouais, alors, il y a des trucs, mais c'est trop marrant. Tu te serais embrouillé avec Geneviève de Fontenay. Ah. Non, mais ça se peut, mais je me rappellerai plus. Il y en a qui dit j'ai vu Geneviève de Fournaise et Andy s'embrouiller, mais parfois, alors non, si non c'est ça c'est trucs... pas possible. Non, je me suis jamais embrouillé avec elle. Tu serais en couple avec un grand joueur du PSG. Ah, il y en a qui dit je l'ai vu. J'étais à un match. C'est cette semaine. Que... Ah, j'étais à un match, effectivement. Ah, et t'as parlé à un joueur. Ah, t'as vu le PSG Marseille? Ah bah non, c'était Marseille. Non, je suis allée au match d'avant où c'était France-Biélorussie. Ah oui, d'accord. Voilà, mais c'est pas PSG. Il y a beaucoup de trucs. Tu préparais une série pour la télé? Non, ça c'était il y a un petit moment, mais ce n'est plus prévu. Ah d'accord. Voilà. Ah, c'est marrant. Voilà, comme ça vous savez, non, c'est vrai ou faux. En fait, j'aime bien changer d'avis tout le temps. Et du coup, ah, t'es une fille quoi. Oh, ça va. Mais je vais vous dire, en couple, ça doit pas être facile. Ah, ouais. C'est pas facile, effectivement. Dur, ouais.